Hey tout le monde, c'est Strepsis, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo commentée et aujourd'hui vidéo sur Battlefield 1 et sur le DLC. Premier DLC du jeu, They Shall Not Pass, en tout cas premier vrai DLC. Et donc c'est une vidéo découverte, puisque c'est la première fois que je joue sur cette map et sur toutes les maps. Je vais essayer de faire une vidéo avec toutes les maps dedans, une vidéo assez cutée. Oh putain, c'est la merde. Et donc on va découvrir ça, je sais pas ce qui se passe. Ah, en plus il parle français et tout, c'est cool. Parce que oui, quand le jeu est en anglais, les voix, en tout cas de manière générale, sont... c'est les voix originales, genre si c'était allemand, tu parles allemand, etc. Donc là, forcément, on est français. Donc, on parle français, ce qui est plutôt bien. Et, allez, cette fois, on va découvrir donc cette map qui s'appelle... Alors, je sais pas comment c'est en français, putain. En anglais, c'est Verdun Heights. Je... fait what the fuck. Ok, alors ma sensibilité, que se passe-t-il? Mais putain, putain, oh là 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 là, mon dieu, je sais pas pourquoi il a pas voulu res et voilà, je me fais tuer par derrière. Oh putain. Oh putain, y'a un mec qui se cache à gauche, quoi. Allez, on y va. On est chaud. Non, mais... je déteste cette arme. Je déteste cette arme. C'est de la merde. C'est de la merde. Ah putain. Voilà, mon grenade spam. Mais quoi, mais... faut aller où? Ok, putain. Putain, mais c'est incroyable. Non! Y'a un mec à ma droite et à ma gauche aussi! Ah là 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 là! Je vois personne là! Putain! Bah ouais, 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 ouais. Vraiment cool! Ça, vous voyez, je l'ai pas vu là! Et c'est la défaite! Et bon, première partie difficile! Et donc, c'est parti pour la deuxième map, Fort Devaux. Fort Devaux qui est une map beaucoup comparée à Opération Locker dans Battlefield 4, mais qui est beaucoup moins linéaire. Oh putain! Alors je suis désolé. Putain, mais ils sont tous dans les murs. Quoi? C'est rien à faire, c'est dégueulasse. Voilà, là c'est dégueulasse. Grenade! Fusil à pompe. Ah oui, mais alors là ils sont nombreux quand même. Ah, je voulais aller revivre l'autre. Putain. Mais vas-y, mais c'est... ah oui, donc lui il a un Mondragon, voilà. Oh putain. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette grenade là, je l'ai vu. Je l'ai vu arriver. Ok, on va essayer de côté. Ah merde! Ouh, derrière! Alors, je vais aller prendre une corde, me la mettre autour du cou et me pendre. Donc moi, je vais changer. Voilà, tu crèves, et un nouveau rang, et je me fais tuer par une frag. Oh putain, il y a du monde ici. Où il est? Où il est, lui? Où il est? Dites-moi, c'est quoi ça? Il est dans le mur. Alors, on va... voilà, on va attendre que la musique se ralentisse. Hein. On va oublier cette défaite, deuxième. Et on va oublier ce score minable. Voilà, c'est pas minable. Mais c'est pas minable grâce à un kit. Bref, c'est débile. Ça reste vraiment pas top du tout. Je suis désolé. J'ai fait de la merde. Nouvelle map. Je crois que c'est 60 celle-là. 60. Je sais pas, je sais plus. J'ai tous les youtubeurs qui le parlent en anglais, donc je suis dans la tête. Je sais plus exactement comment c'est. On va changer d'arme.
parce que l'autre elle m'a gavé, et surtout qu'en fait, je suis en fait là, il faut que je fasse 15 frags dans ce round, sans mourir. Non. Si, en mourant. Oh, je sais plus en fait. Si, en mourant quand même. En fait, il faut que je fasse 15 frags dans un round, pour obtenir l'arme en question, sachant que ce sera l'arme du médic avec le viseur. Pourquoi t'es là? Pourquoi tu es là? C'est mon spawn! Casse-toi! Va-t'en! Tu fais chier tout le monde là! Ah là 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 là! Ok. Une double. Oh, c'est tellement rare. Oh, un tank. Oh, bah tiens, c'est con ça. Oh, bah il m'a pas tué. Oh, bah il est vraiment nul. Hein. Oh, on a fait 3 frags. On a fait 3 frags. En bas. En bas ça. Je deviens fou. Ce jeu me rend fou. Pas vu, mais casse-toi, va te faire enculer. C'est qui m'a tué là? Fais souffrir comme ça. C'est pas juste. Faut t'admettre que c'est pas juste de faire spawner des gens là. Sinon, c'est déjà, c'est pas juste pour moi, puis c'est pas juste pour les gens qui sont là, parce que bah. Ils sont censés deviner comment qu'ils ont spawné ici. Donc c'est pas bien. On va essayer. Non, tu m'as pas vu. Non, je sais, mais tu vas voir. On my count. 3, 2, 1. Mon dieu! Que se passe-t-il? Pourquoi il y avait un raz de marée de personnes à cet endroit-là? Là, la grenade de frag, tu vois. Voilà, et là, du coup, le score, il veut plus rien dire. Pendant toute la game, t'as fait de la merde. Et tout d'un coup, tu fais, voilà, tu fais ça, il y a plein de monde, bah vas-y, hein, donne-moi les gens. Hein. Et c'est une défaite. C'est triste. Et une nouvelle map, hein. Dernière map de ce DLC, très jolie map, j'aime beaucoup visuellement. Très beau, mais ouais, là, j'aime bien. Là, c'est la map, c'est la map que j'attendais le plus, ou la deuxième map que j'attendais le plus, je sais pas. Et là, je suis pas déçu sur premières impressions, sur la premier regard plutôt. C'est pas vraiment des impressions, on n'a pas joué dessus. Ah là là, bon, voilà. Une défaite de plus. 4 défaites. 4 défaites avec le plus mauvais score des 4 parties. Donc, résumé de cette vidéo et résumé de mes impressions pour ce Battlefield 1 They Shall Not Pass. Non, en vrai, ça a l'air cool. Ça a l'air plutôt cool. Et on a eu un battle pack, donc c'est cool. Ça a l'air cool, voilà, il y a, je pense, 7 maps, donc Verdun, hein, Verdun Heights, et donc la rupture qu'on vient de faire. Je pense que c'est mes deux préférés pour l'instant. Soissons, là où je sais pas quoi, je suis moyen fan, trop découvert, même si c'était plutôt... Ouais, ça va, ouais, je me suis tellement fait poutrer la gueule dessus que... Voilà, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, là, le jeu il bug, là j'appuie sur les boutons, ça marche pas. Les menus, fixer les menus de ce jeu, c'est débile sur console, parce que sur PC, à mon avis, c'est hyper fluide si t'as un bon PC. Mais non, là non. C'est pas mon avis d'ailleurs, puisque... Bah quoi que, j'avais essayé, je sais plus. Là, non mais regardez ça, je ne peux rien faire. Le jeu répond 10 ans après, bon. Donc, deux maps ont l'air très cool, les deux, une bof, je sais pas... Mais putain, mais je voulais pas aller là-dedans. Oh là là. Bref, et donc ça a l'air sympa.
Les armes, je sais pas trop. L'arme du médic, je pense que je vais beaucoup l'apprécier. Je vous referai une vidéo sur toutes les armes. Voilà, donc c'est une vidéo qui sera sans doute très différente au montage de ce que j'ai prévu de faire au tournage. Mais je pense que je vais bien m'amuser. Donc, je vous remercie pour regarder cette vidéo. Je suis désolé. Désolé, puisqu'on a fait de la merde. On est nul. On a fait de la merde. La prochaine fois, on fera mieux. Je l'espère. Et donc sur ce, moi je vous donne rendez-vous à la prochaine pour d'autres vidéos commentées sur la chaîne, je ne sais pas encore sur quoi, et je vous dis c'est quoi ce son, je ne sais pas, et je vous dis eh bien à la prochaine tout simplement. Allez, salut!